César! César! Regarde ce que le facteur nous a apporté! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais arrête de bouger, je ne peux pas voir! Oh! Une carte comme dans la collection de Pacha! Oui, oui, oui! Et regarde! Sur la carte, il y a une maman éléphant et son bébé! Oh, c'est beau! Les éléphants, ce sont mes animaux préférés! Mmh. Et il y en a deux! Mmh. Deux éléphants! Oh, tu es drôle, César! Oh, regarde! Et les couleurs sont bien jolies! Oh! Oh, j'aimerais la voir pour moi tout seul, la carte postale! Oh, donne-la-moi! Donne-moi les photos d'éléphants, Cali! Non, non! Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pour qui elle est, cette carte-là! Et comment on peut savoir pour qui elle est? C'est facile! C'est écrit là! Regarde! Oui, mais... Mais nous, on ne sait même pas lire. Oh, ce n'est pas grave! On va demander à Pacha de lire pour nous. Oh, allez, oui. Viens! Bonne idée! Pacha! Pacha! On a reçu une carte postale! Regarde! Est-ce que tu veux nous lire ce qui est écrit derrière, oui. S'il te plaît? Oui! Oh! Oh, qu'elle est belle! Un éléphant et son bébé? Oui. Je me demande qui nous l'envoie? Oh! C'est Igor qui nous l'envoie à tous les trois! Igor? Oh, que je suis content! Je m'ennuie de lui. Il est parti depuis beaucoup de jours. Je vais vous lire ce qu'Igor nous écrit. Oui. Cher César, cher Cali et cher Pacha, mon voyage dans la jungle est presque terminé. Il y a plein d'éléphants et d'autres animaux. Oh. Je reviens bientôt. Grosse bise, Igor. Oh, youpi! Igor revient bientôt. Eh oui. Bon, eh bien moi, je garde la carte postale. Je n'ai pas d'image d'éléphant dans ma collection. Et pourquoi c'est toi qui la gardes, la carte? Igor nous l'a envoyée à tous les trois. Oui, mais moi, j'ai une collection de cartes postales. Mais moi, je trouve ça tellement beau, les éléphants. Et je vais fabriquer un beau cadre. Et je vais la regarder tout le temps. Oh, moi aussi, je vais la garder, la carte postale. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, je vais la mettre sous mon oreiller pour rêver aux éléphants la nuit. Franchement, Cali, tu dis n'importe quoi. Non, 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 non. C'est moi qui garde la carte postale pour ma collection. Bon. Hey, ce n'est pas juste. Pacha, tu en as déjà tout plein. Hey, donne-la-moi. Donne-la-moi. Tu vas la déchirer. Je l'ai. La carte postale, je la garde pour moi. César! Arrête tout de suite! César! Arrête! César, où es-tu? Où es-tu? César! Où es-tu, César? César, réponds-nous! César, donne-nous la carte postale! Tu n'as pas le droit, César! César, tu n'es pas drôle. Sors de ta cachette. Tu crois qu'il est caché dans la cour? Sûrement. Viens, on va le chercher. Ce n'est pas juste. Non. La carte postale, elle est à nous trois. Oui. Pas à César tout seul. Mais je sais. J'ai une bonne idée. La carte postale, je vais la cacher. Je reviendrai la chercher plus tard. Oh, j'ai trouvé la meilleure cachette. Chut. Oh, je suis fatiguée de chercher César, moi. Moi, j'ai soif. Je vais aller boire un verre de lait dans la maison. Tu viens? Certainement. Bonjour, Cali. César! Bonjour, Pacha. Mais tu étais dans la maison? Mais oui, ma chère Cali.
Est-ce que vous pensiez que j'étais dans le jardin? Tu n'es pas drôle du tout, César. Où est-ce que tu l'as mise? Mais de quoi parles-tu, Pacha? De la carte postale. Quelle carte postale? Voyons, César, tu le sais bien. La carte postale qu'Igor nous a envoyée de la jungle. César, dis-nous ce que tu as fait avec la carte postale. Je l'ai cachée, Cachée? Mais où? Quelque part où vous ne pourrez jamais la trouver. Bon, d'accord, César. Tu nous as joué un bon tour. Bon, maintenant, tu es content? Montre-nous où tu as caché la carte postale. Viens, Kelly. Aide-moi à la chercher, la carte. Elle ne doit pas être bien loin. La carte postale est bien cachée, vous n'allez pas la trouver. Non, Kelly, tu n'y es pas, toi non plus, Pacha. Serait-elle dans l'armoire? Je vais aller voir. Serait-elle, et pourquoi pas, derrière le sofa? La carte postale est bien cachée, vous n'allez pas la trouver. Non, Kelly, tu n'y es pas, toi non plus, Pacha. Serait-elle sur l'établi, parmi les outils? Je vais la trouver bientôt, derrière le rideau. La carte postale est bien cachée, vous n'allez pas la trouver. Non, Kelly, tu n'y es pas, et toi non plus, Pacha. L'as-tu mise dans le lit de ta Missouris? L'as-tu mise dans le boudoir ou dans un tiroir? La carte postale est bien cachée, vous n'allez pas la trouver. Non, Kelly, tu n'y es pas, toi non plus, Pacha. Non, Kelly, tu n'y es pas, toi non plus, Pacha. Enfin de retour. Je vais faire une surprise à mes amis. Je vais entrer par ici. Ils vont sûrement être très contents de me revoir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Mais oui! C'est ma carte postale! Mais comment est-elle arrivée ici? C'est vraiment très, très bizarre. Mais est-ce que Pacha, ou César, ou Kelly auraient jeté ma carte postale dans un pot de fleurs? Me faire ça à moi! Oh, carapachou! Et moi qui voulais leur faire plaisir, je ne leur enverrai plus jamais de carte postale. Oh. César, tu le sais bien que ce n'est pas juste. La carte postale, elle est à nous trois. À toi, à moi et à Pacha. Hey. Oui, mais moi je veux la garder. C'est à cause des éléphants. César, c'est pour garder la carte pour toi tout seul que tu l'as cachée, hein? Non, je voulais l'encadrer et la mettre au mur. Oh, je comprends. C'est pour ça que ma carte postale était dans un pot de fleurs. Oh. Mais si la carte est cachée, est-ce que tu peux la mettre au mur? Non. Et si elle n'est pas au mur, est-ce que tu peux la regarder? Mais non. Mais alors, qui va la regarder, la carte postale d'Igor? Personne? Ah, tu vois, parce que tu as caché la carte, personne ne peut en profiter. Personne, même pas toi. C'est vrai, ça. Au fond, ce n'était pas une très bonne idée, hein? On pourrait peut-être la garder chacun son tour. Oh, tu as raison, ce serait bien mieux. Je vais aller la chercher. Attendez-moi. Oui. Oh, qu'ils sont gentils. Ils ont tellement aimé ma carte qu'ils veulent tous la garder. Je me demande où il l'a cachée, la carte.
Pêcheur, Kelly, la carte postale n'est plus là. Mais tu es sûr? Peut-être que tu as oublié la cachette. Non, monsieur Pacha, je n'ai pas oublié la cachette. La cachette, c'était le pot de fleurs. La carte n'est plus là. Voyons, César. Cherche comme il faut. Tu dois te tromper de pot de fleurs. Tu le sais, tu oublies toujours tout. Mais je n'ai pas oublié. La carte postale a disparu. Quelqu'un l'a prise. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Je crois qu'il est temps d'aller leur dire bonjour. Bonjour les amis. Igor. Oh Igor, enfin. On avait hâte que tu reviennes. Bonjour Igor. Comment ça va? Très très bien. Je me suis beaucoup amusée en voyage. Mais c'est toi qui as la carte postale? Ouais. C'est Igor qui a la carte postale. J'arrive. Mais où tu l'as trouvée? La carte postale, on l'a cherchée partout. Je l'ai trouvée dans un pot de fleurs au balcon. Dans un pot de fleurs? Mais alors, César n'avait pas oublié la cachette. Je vous l'avais bien dit, hein, que je ne l'avais pas oubliée. Alors, Igor, tu as fait un beau voyage? Oh, mais oui! Et je vais tout vous raconter. Mais avant, j'ai une surprise pour vous. Oh oui! Regardez bien cette carte postale. Attention! Et hop! Vous voyez? Ce n'est pas une carte postale, mais trois cartes postales. Une pour César, une pour Kali et une pour Pacha. Oh, c'est beau! Un éléphant et son bébé, une girafe et son bébé. Et une lionne avec ses lionceaux. Oh, Igor, tu es vraiment gentil. Moi, je veux la girafe. Moi, je prends les lions. Et moi, je peux garder les éléphants. Youpi! Et maintenant, je vais vous raconter mes aventures dans la jungle. L'autre jour, j'ai rencontré un éléphant. Tu as rencontré un éléphant? Un vrai? Oui. Le premier jour où je suis arrivée, il y avait un troupeau d'éléphants. Ils étaient énormes.